Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh, hayyakumullah wa bayyakum. À travers ce petit épisode, je vais vous expliquer, vous donner certaines recommandations pour les personnes qui se retrouvent dans une situation où il faut qu'elles prient assises sur une chaise et aussi certaines erreurs à éviter. Dans un premier temps, barakallahu fikoum, sachez que les personnes se divisent en deux catégories. Vous avez des personnes qui sont super laxistes, c'est-à-dire elles ont la possibilité de prier debout, mais par fainéantisme, elles délaissent certains piliers de la prière. Et ça peut être très très grave et rendre leur prière invalide. Et vous avez, d'un autre côté, des personnes qui vont dire qu'ils sont dans le rigorisme. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné cette facilité de pouvoir prier assise, mais elles prient quand même debout jusqu'à tomber malade ou jusqu'à aggraver leur maladie. Donc il faut essayer de trouver un juste milieu, barakallahu fikoum. Sachez dans un premier temps que nous avons deux types de prières dans notre religion. Nous avons les prières obligatoires et les prières surérogatoires. Une personne qui effectue la prière assise, une prière surérogatoire, alors qu'elle en a la capacité de la faire debout, sachez que sa prière est valide, mais elle n'aura que la moitié de la récompense. Une personne qui effectue la prière obligatoire assise, alors qu'elle a la capacité de la faire debout, dans cette situation, sa prière elle est invalide. Et là, je m'adresse à énormément de frères et sœurs qui, par honte, vont prier dans leur voiture de façon assise, alors qu'elles ont la capacité de prier debout. La raison pourquoi est-ce qu'elles ne prient pas debout, ce n'est pas parce qu'elles sont incapables de se maintenir debout, c'est juste parce qu'elles ont honte que les gens les regardent. Donc, il faut faire attention. Maintenant, une personne qui est atteinte d'une incapacité, elle ne peut pas prier, elle ne peut pas prier debout. Très bien, ton incapacité, le fait de ne pas prier debout, est-ce que c'est quelques secondes, quelques minutes? Il va falloir évaluer cela. Pourquoi je vous dis cela? Admettons qu'une personne, elle rentre dans sa prière. Sachez que le takbirat ihram, pour une prière obligatoire, tu dois être debout. C'est une obligation. Le fait de se tenir debout, c'est une obligation. Si tu as la capacité de faire takbirat al-ihram debout, réciter le fatiha debout, dans ce cas-là, tu dois le faire. Wattaqullaha mastata'tum. Al-maysur la yasqutu bil-mahsur. C'est-à-dire que tu dois au maximum optimiser ta capacité à rester debout pour effectuer ces piliers de la prière. Parfait. Ensuite, admettons que maintenant ça est arrivé au maximum de ta posture debout. Tu t'assois. Parfait. Très bien. Si tu as la capacité de faire le ruku en te remettant comme ceci et en refaisant le ruku, tu dois le faire. Parfait. Parce qu'il y a certaines personnes, elles délaissent aussi cette position. Une fois qu'elle est assise, elle a la flemme, donc elle fait son ruku ici, comme ça. D'accord? Ou juste un peu comme ça. Non, tu dois revenir à cette position. Sachez, barakallahu fikoum, que on va dire qu'il y a trois positions qui sont légèrement difficiles pour les personnes lorsqu'elles sont atteintes d'une incapacité. C'est la posture debout, l'inclination, le recours, et la prosternation, le sujoud. Ces trois étapes-là, elles doivent être faites. Elles doivent être délaissées si seulement tu n'en as pas la capacité. Admettons que moi, j'ai la capacité de faire le sujoud. Excusez-moi. Admettons par exemple, moi, j'ai la capacité de ne pas me mettre, j'ai la capacité de faire le sujoud et je ne peux pas me tenir debout ni faire le recours. Le sujoud, il devient obligatoire pour moi. Parfait. Vous avez des personnes, elles délaissent le sujoud. Non, tu dois effectuer le sujoud. Une personne, par exemple, qui ne peut pas faire le ruku, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit qu'il pouvait utiliser al-ima. Al-ima, c'est le fait de simuler. Parfait. Et on voit certaines personnes aussi, il y en a, elles exagèrent dans la simulation. Admettons que tu ne peux pas faire le ruku, si tu es dans cette position, tu fais juste comme ça, Allahu Akbar. Tu vois, ça, c'est une situation où tu as fait le ruku. Parfait. Si tu ne peux pas faire le sujoud, ce sera comment? C'est légèrement en plus. Parfait. D'accord? Parce qu'il y a certaines personnes, lorsqu'elles veulent faire le ruku ou le sujoud, elles font le ruku de cette façon-là et elles font le sujoud en mettant les mains comme ça pour distinguer entre ces deux actes-là. Ça, c'est une sorte d'exagération. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit simuler al-ima. Parfait. Donc, il faut bien faire attention à cela. Ensuite, une personne, le médecin lui a dit, par exemple, étant donné que tu viens d'avoir une opération à l'œil, ne pose pas ton front sur le sol. Parfait. Donc, cette personne-là, elle a la capacité de faire la prosternation sur combien de parties de son corps? Sur ses mains, ses genoux et ses pieds. Donc, 6 parties du corps. Il n'y a que son œil où c'est difficile pour elle d'approcher son œil au sol. Donc, cette personne-là, elle doit aussi craindre Allah subhanahu wa ta'ala au maximum. C'est-à-dire, une fois qu'elle sera dans le sujoud, si pour elle, elle ne peut pas poser son front au sol, elle doit se rapprocher au maximum, faire ceci, d'accord? Et non pas rester sur sa chaise et délaisser le sujoud, qui est la prosternation. Parfait. Donc, barakallahu fikoum, essaye de comprendre ces différents jugements-là. Et aussi, un petit message pour les personnes qui vont utiliser des chaises durant le tarawih ou qui viennent dans les mosquées. Essayez d'utiliser, par exemple, des petits tabourets comme ça, d'accord? Et si vous avez une incapacité, essayez de vous mettre généralement vers la fin de rang, d'accord? Pour ne pas déranger les gens, parfait?
Et aussi, petite recommandation, ceux qui viennent aux mosquées, qui n'ont pas la capacité de prier debout, essayez de craindre Allah subhanahu wa ta'ala au maximum, sans déranger les autres. Que le fait que vous bougez votre chaise ne vienne pas perturber les musulmans, et aussi que vous ne soyez pas une source de fitna et de troubles dans nos mosquées, en espérant que ce rappel a été bénéfique pour vous et moi. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yarda, wassalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.